Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez là-bas les pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés. Activez la cloche, touchez la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Après les obsèques de Jarafat, je n'ai plus eu à faire de vidéos pour voir parler de tout ce qui s'est passé comme incident véritablement majeur et tout ça. Mais bon, concernant ce qui s'est passé au stade, tout s'est bien passé en grande partie. Il n'y a pas eu d'incident majeur, tout s'est bien passé et tout ça. Et moi, franchement, il fallait que je partage cette vidéo avec vous. Cette vidéo de ce monsieur qui est, selon moi, l'un des fans les plus honorables de DJ Jarafat. Il a tenu à montrer tout son amour, il a montré toute sa tristesse, toute sa douleur de manière sincère à DJ Jarafat. Et c'est véritablement l'acte le plus important pour pouvoir montrer à quel point on est peiné de la mort de DJ Jarafat. Malheureusement, pour ceux qui ont profané la tombe de DJ Jarafat, un avis de recherche a été lancé par la police et ça circule un peu partout. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux, on va pas donner de l'importance à ceux qui ont fait ce qui était mauvais. Et je tiens à signaler pour toute la communauté qui regarde mes vidéos hors de la Côte d'Ivoire que c'est juste des personnes qui l'ont fait, c'est pas un cas à prendre de façon particulière, de façon générale pour tous les Ivoiriens. On n'est pas comme ça. Un certain groupe de personnes l'ont fait, ça ne veut pas dire que tous les Ivoiriens sont ainsi. Mais bon, on va parler de ce monsieur qui a montré tout son amour à DJ Jarafat au stade. Et ce monsieur-là, c'est un fan de DJ Jarafat. Je vous montre déjà la vidéo entière à la fin de la vidéo, mais il se trouve qu'il y a une personne qui veut aider ce jeune homme qui a montré son amour et tout. Je vous montre les captures d'écran et tout ça. Et il tient à pouvoir remercier personnellement cette personne pour ce tact assez sincère qu'il a posé pour pouvoir véritablement rendre hommage à son artiste, à son idole. Bref, je ne vais pas trop parler, pas trop bavarder. Je vous montre la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et après la vidéo, je mettrai les captures d'écran de son compte Instagram, de ses publications parce qu'il était au stade et tout ça. Sur ce, bon visionnage. Et abonnez-vous aux abonnés, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Sur ce, bye. Cheers. Bon visionnage. Et puis il a confirmé qu'en funérailles, deux fois qu'on ramène bêtise. Ouais. C'est mon idole, ouais. Et quand Dieu est ici. Thank you.